Je n'en ai plus besoin. Je veux tout savoir. Est-ce que vos préparatifs de mariage avancent? Quand on épouse une tenancière de maison close, on doit s'attendre à une belle fête. Nous pouvons retourner au château? Vous ne voulez plus parler de cela? Il y a peu, vous pouviez disserter des heures sur les grands sentiments qui vous unissent à Greer. Le mariage aura lieu dans son établissement? Avec une prostituée déguisée en évêque? Si oui, j'exige que vous m'y invitiez. Je plaisante, c'est tout. Mais je suis curieuse et je veux que vous me parliez de cette noce. En tant que princesse, je vous l'ordonne. Écoutez, vous pouvez m'ordonner de vous escorter dans tous les magasins de la région ou de garder votre porte toute la nuit, mais il y a des choses que même une princesse ne peut réclamer. De l'écorce d'épicéa. Elle soigne les infections et les fièvres. Vous chassez? Tendez des pièges? Vous êtes capable de ramener des mourants à la vie? Les dames de la cour ne savent pas faire tout cela? Ni voir l'avenir ou le passé de quelqu'un en posant les mains sur lui? Elles préfèrent de loin la danse et la broderie, seulement je trouve que vos dons sont nettement plus utiles. Je suis ravie que vous soyez de cet avis. Pendant de longues années, j'ai prié pour perdre mes dons. Je n'en voulais pas. Pourquoi? Lorsque j'étais enfant, j'ai vu les hommes de mon village traîner une femme par les cheveux, l'attacher à un poteau et ensuite la plonger dans une rivière glaciale jusqu'à ce qu'elle se noie. C'était la sage-femme locale. Mais un jour, elle a mis au monde un enfant mort-né et la mère l'a accusée de pratiquer la sorcellerie et d'avoir volé l'âme de son bébé pour l'offrir au diable. Les femmes hors du commun sont des proies faciles. Je suppose que c'est pour cela que vous menez cette existence calme et isolée. Quelquefois, il vaut mieux éviter la compagnie des humains. Vous devez vous sentir seule. On se fait la solitude. Vous avez le don de double vue. Ce genre de talent peut être très apprécié en haut lieu. Vous connaissiez Nostradamus? On dit que la reine-mère elle-même ne décidait rien sans lui. Il n'est plus là. On a besoin d'un devin à la cour. Ah, moi? À la cour? Vous n'auriez pas à cacher qui vous êtes, ni ce que vous faites. Je doute que les dames de la cour m'invitent à faire de la broderie avec elles. Pas besoin des dames de la cour. Vous m'avez moi. Venez au moins visiter le château. Vous verrez si vous vous y sentez à votre place. En tout cas, ça me ferait très plaisir de voir votre visage tous les jours. C'est moi que vous cherchez? C'était un avertissement. La suivante se plantera entre vos yeux. Quel dommage que vos hommes ratissent l'autre bout de la forêt, à des lieux d'ici. Déposez votre épée. Comptez-vous me faire prisonnier? Non, je veux vous faire une proposition. Vos hommes et vous aurez la vie sauve si vous ralliez votre armée à ma cause. Vous voulez que je me joigne à votre coup d'état? J'ai plus de soldats que vous, votre roi, ne le croyez. Et j'ai autre chose qui pourrait faire pencher la balance.